Bonjour, mon nom c'est Aurore. Je travaille avec 350.org sur les campagnes sur le climat au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est très utile pour la planification stratégique d'action. Ça s'appelle l'étoile tactique. Cet outil-là a été développé par un groupe aux États-Unis qui s'appelle Beyond the Choir et depuis plusieurs années, c'est utilisé par beaucoup de groupes activistes un peu partout dans le monde. C'est un outil qui nous permet de se poser des questions en passant à travers toutes les composantes d'une planification d'action. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir préparer une action qui est réfléchie et réussie. Avant de rentrer dans l'étoile tactique, juste deux petites définitions pour pouvoir différencier deux concepts. D'abord, la stratégie. Ce qu'on définit comme la stratégie, c'est l'approche qu'on prend pour atteindre nos objectifs. Fait que c'est comment est-ce qu'on va aller du point A au point B. Par exemple, on veut faire un boycott d'un magasin. Les tactiques, ça va être les actions qu'on choisit pour mettre en œuvre notre stratégie. Donc, ça va être tous les points entre le point A et le point B pour atteindre notre objectif. Par exemple, on va un jour aller distribuer des pamphlets devant tel magasin. Donc, l'étoile tactique. L'étoile a 10 pointes. Objectif et stratégie. Cible. Endroit, message, moment, ressources, ton, organisation, relation et regroupement et bilan. Pour chacun des 10 éléments de l'étoile, on va avoir des questions qui vont nous aider à avoir une réflexion. La façon dont ça marche, c'est qu'on commence en haut et on va dans le sens des aiguilles d'une montre à travers chacune des catégories. On va aussi prendre un exemple d'une action qui a eu lieu à Montréal en 2013, qui était une action de perturbation aux audiences de l'ONE, l'Office national de l'énergie, sur l'oléoduc Line 9 d'Enbridge. L'idée de l'action, c'était qu'au moment des audiences, il y avait à peu près une douzaine de personnes à l'intérieur qui se levaient l'une après l'autre pendant les audiences pour réciter un conte qui avait été écrit, qui donnait la parole aux personnes affectées sur le projet et pourquoi ils s'y opposaient. Au fur et à mesure qu'une personne se levait et récitait et était sortie de la salle par la sécurité, une autre personne se levait après et continuait à lire le conte pour pouvoir, au final, prendre la parole pendant le plus longtemps possible dans les audiences à l'aide d'un poème qui avait été écrit. D'abord, objectif et stratégie. Est-ce que l'action qu'on prépare nous aide à atteindre notre objectif? Est-ce qu'elle s'inscrit dans une stratégie qui existe déjà et dans des campagnes qui sont déjà en cours? Dans notre exemple, oui, il y avait déjà une campagne en cours sur l'opposition aux oléoducs et à l'expansion des sables bitumineux, et aussi en particulier sur la ligne 9 pour délégitimer l'ONE. Deuxièmement, la cible. Qui est notre cible? Quelle influence est-ce que notre cible a sur nos objectifs et quelle influence est-ce que nous, on va avoir sur notre cible? Dans notre exemple, la cible, c'était les audiences de l'Office national de l'énergie. C'est l'institution fédérale qui décide de donner ou pas le feu vert au projet d'oléoduc au Canada. Troisièmement, l'endroit. Quel lieu est-ce qu'on choisit pour faire notre action? Est-ce que c'est un endroit qui nous aide à véhiculer notre message? Dans notre action, c'était à l'intérieur des audiences de l'Office national de l'énergie, là où il y avait des gens qui travaillaient pour l'Office, qui étaient en charge d'entendre des témoignages. Quatrièmement, le message. Est-ce que notre action communique un message particulier à nos alliés et à notre public cible? À qui est-ce qu'on parle? Et est-ce que notre action est persuasive et compréhensible pour passer notre message? Dans l'action sur la ligne 9, le message, c'était que l'ONE est une institution non légitime qui bâillonne les personnes qui sont affectées par ce projet-là. Et donc, le message qui avait été envoyé, c'est que même si l'ONE ne nous permet pas de prendre la parole, on la prend quand même pendant les audiences. Cinquièmement, le moment. Pourquoi est-ce qu'on doit passer à l'action maintenant? Est-ce que c'est un moment pertinent dans l'actualité? Dans notre exemple, absolument oui. Le moment, c'était que l'ONE était à Montréal pour faire des audiences sur la ligne 9B d'Enbridge. Sixièmement, les ressources. Est-ce que l'action qu'on planifie vaut le coup en termes de temps, d'énergie et de ressources de notre groupe? Est-ce qu'on a les ressources qu'il faut pour que l'action soit réussie ou est-ce qu'on doit revoir l'ampleur de ce qu'on planifie? Dans le cas de notre exemple, c'est quelque chose qui avait été discuté avec plusieurs groupes. Donc, certains groupes ont pris la responsabilité plus sur les médias, d'autres sur le financement. Il y a eu une distribution de ressources pour que chacun contribue sa force au projet. Septièmement, le ton. Quel est le ton de notre action? Comment est-ce que les gens vont réagir à notre action? Et comment est-ce que le ton nous aide à véhiculer notre message? Dans le cas de notre exemple, le ton, c'était d'être positif, mais d'être digne, déterminé et ferme.
Le ton de l'action avait été aussi véhiculé de manière visuelle. Plusieurs personnes portaient les mêmes t-shirts et ils avaient des bâillons dans la bouche pour symboliser que Launay bâillonnait les voix des citoyens et des personnes affectées par l'oléoduc. Huitièmement, l'organisation. Comment est-ce que cette action va affecter notre groupe? Est-ce qu'elle va permettre à de nouvelles personnes de s'impliquer? Est-ce qu'elle va drainer l'énergie de certaines personnes? Est-ce qu'elle va exacerber des tensions? Quelle place ça va prendre dans l'organisation de notre groupe? Dans le cas de notre exemple, encore une fois, c'était quelque chose qui avait été discuté entre plusieurs groupes, donc différents groupes pour apporter différentes choses, pour prendre des morceaux de l'organisation pour que ce soit réussi. Les relations. Une chose à laquelle il faut penser, c'est quelles seront les répercussions et l'impact de notre action sur nos alliés, sur les personnes qui sont affectées sur le projet, sur les personnes avec qui on travaille dans le mouvement. Est-ce qu'il y a des communautés locales à qui il faut parler avant de passer à l'action? Est-ce qu'il y a des Premières Nations à qui il faut parler? Est-ce qu'il y a des résidents à qui qu'il faut consulter avant de passer à l'action? Dans le cas de l'action à Launay, ça a été un travail entre plusieurs groupes, des groupes citoyens, des groupes de jeunes, des ONG environnementales, et c'est des relations, dans le fond, qui ont été bâties et qui ont continué dans les mois qui ont suivi pour continuer dans ce mouvement-là sur ce pipeline. Une autre chose à penser en termes de relations, c'est est-ce que notre action va aider à rallier plus de personnes à notre cause et des nouvelles personnes qui sont peut-être un peu passives, mais qui peuvent devenir plus actifs et plus impliquées. Finalement, le regroupement et le bilan. Est-ce qu'on a des plans pour célébrer l'action? Est-ce qu'on prévoit de faire un bilan et une évaluation pour faire un retour sur l'action avec les différents groupes qui ont été impliqués? C'est une bonne idée en général de faire un bilan et une évaluation avec les différents groupes qui sont impliqués pour discuter de qu'est-ce qui a été bien fait ou moins bien fait dans l'action et pouvoir avancer pour la suite. Et voilà, on a fait le tour de l'étoile tactique.